Ouais, mes petits chocobos. Et coucou les arrivants, coucou Roberto, coucou mamie. Coucou Nicox, coucou Richard. J'ai gagné la bataille royale, vous êtes sérieux? Dans mon état, j'ai réussi à vous battre. Ah bah bravo. Je vous félicite pas. Bien dormi, Roberto? Alors, est-ce que j'ai pris des... Voilà, en ville. Et merci de Roberto pour les 10 mois de soutien. Ça va et toi? Moi malade. En piteux état aujourd'hui, mais ça va le faire. Il faut. Ça va, c'est que ça tombe la journée de la douceur, il n'y a que des jeux tout doux. Bon, moi, un truc sympathique, c'est que ça tombe le jour où j'ai une sponsor à présenter. Mais mais ça va le faire. Ça va le faire. Bim bim. On va prendre ça. Et ça. See you next time, dearie. Bon, on a fait un succès déjà, hein. Et même malade, j'arrive à faire de succès. Vous pouvez pas test. Vous pouvez pas test. Voilà, il y a quoi comme quête? Des roses jaunes. Et violettes. Alors attends. Trop d'infos. Que je vais mettre un qui part par là. Voilà. Et un caché là. Voilà. C'est pas mal. On va essayer de les cacher, hein. Notre mission c'est d'avoir des arroseurs, mais comme c'est pas très joli, on essaie de les cacher. Il manque une plante du coup à avoir pour la quête. C'est pas la bonne bon endroit où ranger ça. Alors. Savais point que j'en avais encore. Il nous faut des tulipes violettes pour une quête. Hop, il nous faut tulipes roses pour la quête principale. Bon, je regarde ce qu'il nous faut d'autre. Il nous faut des roses blanches, je les ai vendues et je les garde. Ouais, je vais quand même retourner voir si je peux pas les récupérer. Il y en a d'autres qui se sont pris ce petit jeu par la suite.
Ah bah c'est encore là. Et le réflexe de noyer une mauvaise plante. Pas la bonne idée ça. Pas la bonne idée. Les roses blanches. Déjà de surapprendre qui sont là. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme quête? On a les tulipes roses. Oh GG. C'est des bouquets. Les roses jaunes. Elles sont là-bas. Il me faut celle-là, une autre couleur. Ça c'est bon. Oh GG. Ça va. Le pont, c'était quoi déjà la quête du pont? Je me souvienne. Oh, c'était juste acheté, là, il n'y avait pas de mise. Non, c'était les décombres. Les sous. Ah, c'était quoi déjà? Nous on a une quête super dure là pour l'is blanc. Et t'arrives pas à avoir cette couleur là. C'est chaud. Là genre Tensia, il me faut une autre couleur et c'est pareil. J'arrive pas à avoir d'autres couleurs, j'en ai eu aucune autre. Après au magasin avant un truc qui augmente la vitesse pour avoir des graines sur les plantes, mais ça donne pas forcément du violet quoi. Ah bah le nombre de jours ça veut rien dire par rapport à ça. En fait à la vendeuse t'as toutes les graines de chaque plante à acheter. Et après bah c'est à toi de déverrouiller les couleurs et c'est aléatoire quoi. C'est au petit bonheur la chance. Voilà les tulipes roses, je suis trop contente. Pourquoi? Parce que c'était les dernières couleurs qui me manquaient. Et depuis que j'ai la quête, il y avait au moins 6 couleurs qui me manquaient. Et j'ai toutes eues sauf celles que j'avais besoin, je l'ai en dernier. Et c'est vraiment aléatoire quoi. Quand ça brille violet, quand il y a des graines et que ça brille violet, c'est que c'est une nouvelle couleur que t'as pas. Quand c'est vert, c'est que t'as déjà. Après voilà, tu peux acheter au magasin de quoi aller plus vite pour les graines, mais ça peut donner du vert quoi. Bon, pour le moment ça m'a jamais donné les trucs que j'avais besoin. Il faudrait quand même que j'en rachète pour les hortensias au moins. Mais le nombre de jours ouais, ça veut rien dire. C'est de la chance.
Il y en a qui vont y arriver très rapidement et d'autres. C'est pour ça que t'as les autres petites quêtes à côté, parce que sinon. Ça serait tendu, t'aurais rien à faire entre temps. Ah merde, faut que j'aille là. Ah, c'est des rouges qui au départ. Mais tu vois, ça se trouve, toi, t'as déjà la couleur que moi, il me faut après, tu vois. Ça veut tellement rien dire. Ah, j'ai oublié de prendre. Ouais, mais j'ai pas assez. Je pourrais pas faire l'autre truc si. Le lendemain, faudrait que j'en prenne. Eh ben, il a fait chaud là. C'est pas toujours simple. Oula. C'est vrai que c'est ce genre de jeu. Putain. C'est pas en forme, mais alors c'est cool. C'est agréable à jouer pas en forme. Il y a des jeux, c'est mort quoi quand t'es pas en forme. Ça là. Ah, c'est dommage. Et si je coupe un peu. Ça passe, peut-être que. On va voir. Ouais. C'est parce que. Il y avait la. Ça a poussé par-dessus, c'est ramé. Ah, j'espère que tu vas réussir à les choper. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. C'est le petit truc. Au moins pour avancer sur la quête, quoi. Ça aurait été bien si ce truc anti-parasitaire là qu'on a débloqué là, il y a un peu plus de stock. Mais non. Ah, ça peut être long en fonction de ta chance. Bah moi ça fait un moment hein, que je dois faire déverrouiller la serre. Ah, ça doit faire au moins... On a fait deux streams. Il y a eu au moins 4 heures la dernière fois. Ça doit faire 6 heures de jeu que j'essaie d'avoir ça. Un truc comme ça. Donc ouais. Faut être patient. Après c'est le genre de jeu où c'est tout doux. Hein. Mais c'est vrai que c'est frustrant quand tu veux un truc précis.
Eh ben, elles ont pris cher mes plantes. Il y a plein de parasites là, c'est l'enfer. Ça va, je fais les arroseurs, ils fassent pas un petit parasitaire en même temps. Ça aurait été cool. Alors, on va mettre un. Tout beau. J'ai hâte de voir l'hiver quand même. J'espère qu'on va l'avoir aujourd'hui, je pense que oui. Merde, je pense encore assis sur le truc sans faire exprès. Cette musique toute douce. Qui a des puces? Ah. Elles ont toutes des puces. C'est un truc de fou ça. Bon, déjà on va ranger tout ça. Ça paraît pas mal. Ensuite là. Ensuite. Hop, hop. Oh. Un petit pot. Toilette. Rose. Toilette. Faire les quêtes. Et ouais, il y a pas mal de choses à faire en fait, l'air de rien. Couleur qui tout. Alors, qu'est-ce que j'ai? Rose blanche, rose jaune. Je les ai pris les roses blanches. Qu'il y a des insectes. Ok, parfait.
on va ranger tout ça. On va faire quelques bouquets à vendre. On n'a pas suffisamment là des roses blanches pour la quête. Oh, il en manque encore. Pas grand chose pour les roses jaunes. T'es malade. Ah. Ouah, t'es aussi malade que moi. Elle a, une sale tête, elle, comme moi. Eh bien, on a un gnome qui protège les plantes. Faudrait que je change les couleurs des ruches pour qu'elles aient toutes la même couleur. Voilà. Alors. Faire des bouquets. C'est parti. Dégage. Et j'ai des niveaux en plus, ça grimpouille. Ça grimpouille. Parfait. Parfaitement parfait. Et voilà. Faut qu'on achète de quoi faire pousser plus vite les graines. Absolument. C'est ça en fait, l'engrais graine rapide. On va en prendre un. Pas besoin de plus en vrai, hein, parce que j'en ai pas 10 000. Hein. Il nous faut Lovely to see you. Un petit peu. Ça va être pas mal. Ça va pas mal tout ça. Au niveau décoration, je peux en mettre un paquet. Alors niveau fleurs. Ah, ils sont partis sur le fait que les gens ils allaient mettre beaucoup. Beaucoup de... comment... de décoration mais pas de fleurs. Hein. Moi j'ai fait l'inverse. Et c'est vrai que ça peut être un peu embêtant. Alors... poser un là. On va le mettre visible du coup. Alors, je me trompe pas.
Il nous faut ça. Hortensia. Mais il nous les faut en violet. Ok, on est d'accord. Donc du coup, on va mettre ça dessus. Ça touche pas là. Franchement, ils abusent. Hein. Ouais, les gouttelettes qui vont dessus. Vous abusez les gars quand même. Des fois, tu te demandes, ça touche pas quoi. Comment ça, elle est morte cette plante. Il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Pas bien, mais. Ici c'est parfait. Ça mange quoi? Bon petit déjeuner, mes petits chocobos. Reviens. Il se sauve. Des parasites, dites-moi. Comment ça se fait qu'il y a autant de parasites? T'as abusé. Qui vont mourir en hiver. Et je sais qu'on n'aura pas de parasites. Alors, ici il nous faut des tulipes là, tulipes là, tulipes là. Non mais j'en ai du boulot avec tous ces parasites. Alors ça c'est les hortensias. Ça va être bon. On est pas mal. Franchement, un jardin comme ça, j'aimerais bien. Hein. C'est tellement mignon. Donc ça c'est bon. Alors il nous fallait quoi? Manger des graines. Ah, pour des fois on n'entend pas les mouches, quoique après j'ai baissé le son moi. C'est vrai que j'ai pas le son du jeu à fond à cause de la migraine.
Vous devez plus les entendre. C'est les bouquets qu'il faut pour les chili pros, hein. Ouais, c'est des bouquets. Chili pros, il me faut bouquets. Le reste, on va voir. Alors. Il manque pas grand chose. Par contre, les jaunes, ça va être bon. Ouais, encore, il y a les parasites là. Vous êtes sérieux? Et je passe mon temps à les enlever. Enfant de Satan. Ils sont pas sympas. Vous jouez à quoi de beau, mes petits chocobos? Oh. À choper encore. Parce que fini. On va espérer choper. Oula, enfin, peut-être arroser les. D'ailleurs, faudrait que j'en mette plus, mais pareil, j'ai plus beaucoup de place de. Myth of Empire. Ouh, c'est pas récent ça. À moins qu'il y en ait eu un nouveau. Sortir à nouveau. J'ai pas joué, j'ai jamais joué. Je connais, mais jamais joué. 35, 24 de ça. Qu'est-ce qu'on va vendre? 43 de ça. On va vendre. On va vendre de la graine. Prenez-en de la graine. Allez, salut. Aïe aïe aïe. Coucou Shoazumi, ça fait longtemps. Coucou les arrivants. Merci à ceux qui sont avec moi ce matin. Ça fait chaud au cœur. J'ai oublié de mettre les cailloux, je les avais même pas mis, je les ai achetés mais je les ai même pas mis. Ah bah bravo. Oh, don't mind Letha. She's in no mood today. Cheerio. Alors. Bientôt on aura assez d'arroseurs pour tout le jardin. Tellement je peux voir le succès de ça là. En espérant que c'est bien ça le truc. Je le fais pas dans le vent. Oh, pour un sécateur particulier. Chérisse noire, jonquille blanche, chérisse noire. Bah moi pas en grande forme hélas, mais on tient le coup aujourd'hui. Ça ira mieux demain. Et toi, comment tu te sens? Comme qui va depuis le temps? Heureusement, déjà on va aller choper les roses blanches, ça va me faire de la peur.
pas mal. Voilà. Tu les violets aussi, on va les choper. Ça, ça sera fait. Ouais. Ah bah le sommeil, c'est important après pour la journée. C'est le problème. Si tu passes une mauvaise nuit, comme moi, après il faut tenir la journée. Fait un peu brère. Ouais. Voilà. Donc on a une partie qui est là. Après, on faudra faire en prio ce chemin-là. Au moins finir la première zone, en fait. J'aimerais bien que la première zone soit finie. T'as déjà testé le jeu ou pas du tout? Je découvre peut-être. À nouveau. Ah si. Cyclamène rose. Cyclamène rose en nouveauté. Alors. Cyclamène rose. Ah là. Hop. À mettre quelque part. La patience, pourquoi? Justement, je suis tout doux. Enfin, je trouve pas qu'il faut avoir la patience. Des fois c'est de la chance, donc tu fais d'autres petits trucs en attendant d'avoir les graines qu'il te faut. Expédition hier, j'ai eu besoin de patience pour réussir une mission. Mais j'ai pas, je dirais pas de la patience pour celui-là. C'est vrai que des fois t'as pas de chance. Hein. Avoir les graines que tu veux au moment, mais... Merde. J'ai un peu beaucoup de ça, faudrait peut-être que je les vende. 14 pages! Quoique, en vrai, ça j'ai pas besoin. Il me faut quoi? Faudrait que je fasse un tri là dans les pots que j'ai. Iris violet, faut que je les garde. Tulip rose, faut que je les garde. Reste. On va les dégager. Est-ce que je peux faire un bouquet avant? Ouais.
En vrai, il me faut les hortensias là. Je vais racheter des graines si elle est encore là. Enfin, des graines du truc là, le truc rose. Allow me to introduce you to Letha. Oh, she doesn't say much. Bye bye now. Et voilà. On est pas mal. Petit jardin tout mignon. Notre petit jardin tout mignon. Tulipe noire. Je sais même pas si je disais. Jonquille blanche, iris noir. Ah, c'est tulipe noire, je dois les avoir. C'est que du noir. Ah non, jonquille blanche. Tulipe noire, iris noir. Déjà le noir c'est là-bas. Ah ouais, tulipe noire. Et c'est ça. Hein. Oh, je m'améliore sur les fleurs, vous avez vu? Oui, j'apprends les fleurs. Et jonquille blanche, c'est ça qu'il me fallait. Eh, hey, je suis douée, ça y est. Ouais, j'y connaissais rien en plantes avant. Ça, c'était avant. En espérant que je me sois pas trompée de plante, du coup, je verrai. Et si c'était ça la quête? Iris noir, tulipe noir, c'est ça. J'ai pas beaucoup de tulipes noires. J'ai des graines de repas. Ah si. On va en mettre un peu plus. C'est joli les tulipes. Hop. Voilà. Blindé en plante. Et coucou qui ramène. Bienvenue, comment vas-tu? Sol rouge là-bas. Le problème, c'est les places. Ou alors, je réduis un peu les... plus d'espace pour les plantes, vous voyez, il n'y a plus d'espace pour les on va enlever un petit peu de coquelicot, on va dire. On fait chier, hein, mais on n'a pas trop le choix. Et coucou Speedcraft, merci pour le jeu. Coucou à tous, comment vous y allez? Coucou Dark Chaussette, coucou Tsobako, coucou Savoy, coucou Eclatax, bienvenue. Comment vous y allez? Sur quoi de beau? On est
Quartet Fab, bienvenue, merci pour le follow. Vous allez les arrivants. On est sur Garden Life, on fait notre petit jardin tranquillou. Aujourd'hui c'est les jeux de la douceur. Ça tombe un peu sur la bonne journée, ça tombe bien. Ah oui, t'as fait 8 heures de road truck. Ça va? Pas trop d'accidents. Moi sur road truck simulator, il y a beaucoup d'accidents. Beaucoup, beaucoup. Moi j'ai des cœurs saignants, j'en ai pas besoin de ça. Coucou Sulinast, bienvenue. Merci pour les follow. Speed il accroche. T'as raison. Je rentre dedans, de toute façon t'as un camion, il peut rien t'arriver. C'est toi le patron. Nous on se réveille tranquillou là sur Garden. J'essaie d'avoir une plante particulière mais j'arrive pas à la voir parce que c'est aléatoire les graines, alors on peaufine notre jardin en attendant d'avoir la chance de pouvoir avancer la quête principale. Mais installez-vous les arrivants. Par contre je suis désolée, aujourd'hui je suis pas en très très grande forme, je suis un peu malade. Mais toujours debout. Toujours debout, il en faut plus pour m'achever. Coucou Licorne, coucou Carlios, coucou les arrivants, installez-vous. Ah, bonne nuit Eclatax, bonne nuit à toi. Un grand grand merci. Ah, attends. D'avoir pensé à moi. Mais ouais, c'était il y a longtemps que j'ai fait du Euro Truck. Mais il est excellent ce jeu, mais ouais, il demande beaucoup de temps quoi. Il demande beaucoup de temps. Et j'imagine pour vous ça va plutôt être l'heure du dodo. Alors il me faut des iris noirs toujours. Alors avec la pluie là il fait très sombre dans le jeu. Il me fallait quoi? Ah oui, les tulipes roses toujours. J'en ai qu'une par contre. Enfin, je crois que je vais quand même les yeuter dans mon truc à graines. On est en automne sur le jeu. J'espère bientôt l'hiver. Des roses. Non, des tulipes roses. Tulipes roses, tulipes roses. On essaie d'ouvrir la serre, de débloquer la serre, mais le monsieur il a une commande de fleurs, il y en a une qu'on n'a pas encore, alors c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué. Ouais, alors ça j'en ai en stock, ça je suis en train de les faire. Et il manque les hortensias violets. Et ouais, c'est pas simple. Et là j'ai une quête pour un sécateur... particulier. J'ai déjà eu l'arrosoir plus. Tout à l'heure on a fait le pipit, le spray anti-parasite plus. Il est trop mignon, c'est un petit bonhomme de neige. Donc ce serait bien d'avoir le sécateur. Faut faire passer les jours là je pense. Est-ce qu'on a des trucs à vendre pour le moment? On a rien. Qu'est-ce qu'on va vendre? Coucou Resward, ah merci c'est gentil. Ah il y a des jours comme ça. Ah, j'ai passé une mauvaise nuit aussi, ça a pas aidé en fait. En plus au moment où à chaque fois où j'arrivais à m'endormir, il y avait Luna qui venait foutre le bordel. Et le chat il t'aide pas en fait. Elle me faisait péter un plomb quoi. Commence à fermer les yeux et là, t'as le chat. Pom 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 pom.
qui casse tout, qui défonce tout. Les animaux, on les aime, mais des fois... Des fois, t'as envie de les étrangler. C'est comme les enfants. Alors, ça, bim. On est ici. Par contre, je suis trop contente qu'ils aient agrandi l'inventaire, parce que déjà, là, c'est le bordel, comme vous pouvez le voir. Autrement, c'était pire avant. La nouvelle mage là, ils ont agrandi l'inventaire. Bon, ils ont réglé des bugs aussi. Je sais pas trop sur quoi. Mais c'est cool. Alors toute la ligne là, avant je crois que ça faisait que la moitié, vous voyez. Comme ça. Et j'avoue que c'est plutôt agréable parce que. Déjà, on fait pas mal d'allers-retours de base, mais alors, avec un petit inventaire, c'était pire, quoi. C'était vraiment pire. Tsubaku. Bah, bravo le veau, ouais, le chat. Ouais, bravo le chat. Coucou Daladao, comment ça va? Coucou les bancs de terre, coucou Kawina. Les cartes, tu parles des graines? J'ai un peu trop. Ouais, je les vends. J'ai un peu trop. J'ai un peu trop d'engrais. C'est grave, docteur. J'ai un peu 10 pages d'engrais. C'est vrai que les graines, on peut pas les trier. C'est vrai ça. Enfin, j'ai pas trouvé. Peut-être qu'il y a en fait. J'ai pas fait. Il faudra que je vérifie. Des fois, je me rends compte qu'on peut faire des choses, mais à la fin du jeu, quoi. Ça arrive aussi. Pas mal. Tout ça faut garder, c'est pour les quêtes. Oh, won't you come in, dearie? Bah moi malade Daladao, mais ça va aller. Tu connais pas? Il est vraiment tout doux ce petit jeu. Il est vraiment tout doux. Donc il y a pas très longtemps. Hein. T'as quand même une quête principale hein, en mode histoire. Après il y a un mode bac à sable aussi. Donc j'imagine qu'en mode bac à sable vous avez accès à tout dès le début. Là c'est la vendeuse. Et puis il y a des trucs de saison aussi qu'on peut acheter. Que là ceux qui sont là c'est que en automne. J'ai déjà tout acheté. Normalement. Normalement. Ouais, je revérifie. On a bien Shelby et Freddy Gnoomer. Parfait quand t'es pas en forme comme moi, c'est parfait. Et en fait, si vous voulez, c'est un jardin communautaire. Et la personne qui s'en occupait est décédée. Et des fois, il y a son fantôme qui vient nous voir. Et sa sœur qui est cette demoiselle. Pour demander d'achever son travail. Oula, parce qu'elle me demande, je sais plus c'est quoi comme plan. Ouais, je sais plus si j'ai bien l'escargot d'Halloween. Si c'est celui-là. Et le gnome d'Halloween, c'est celui-là. Si c'est bon, on les a. Bon, au tout début du jeu, vous avez que cette petite zone qui est fermée ici avec des décombres. Donc j'ai réparé le pont. Décoré.
Après j'ai enlevé les décombres et j'ai refait la zone là-bas. Puis là j'essaie d'avoir les graines de couleur. J'ai toutes les plantes existantes, mais j'ai pas toutes les couleurs de chaque. Et j'essaie de faire les thématiques couleurs. Simplement. Alors ici c'est rose violet avec du blanc. Je rajoute toujours du blanc sur toutes les zones pour un peu de faire des nuances. Donc toute cette ligne là et jusque là. Après ici c'est les capybaras. J'ai mis un peu de vert et de bleu en plus. Ici c'est tout ce qui est rouge et blanc. Même les tournesols, c'est des tournesols rouges. Ah ici c'est les tons jaune, orange, blanc. Ah plus les coquelicots. Les coquelicots j'ai mis toutes les couleurs. C'est mes fleurs préférées donc j'étais obligée de faire ça. Et ici c'est tout ce qui est noir et blanc. Avec du bleu aussi par petite. J'ai pas beaucoup de fleurs bleues. C'est mort ça, non? Votre plante est heureuse, ok, c'est juste qu'on voit. Avec la pluie, on a l'impression qu'elle est morte. J'ai eu zéro nouvelle plante là, zéro nouvelle couleur. C'est vrai que les graines, ça serait pas mal. Le dernier. Non, c'est juste pour aller à la dernière page suivante. Ouais, c'est tout. C'est tout, y a pas rangé. Ah ouais, graphiquement il est vraiment sympathique. Après bon là voilà, comme il pleut c'est très sombre. Quand il fait soleil c'est plus lumineux. Hein. Mais justement du coup c'est cool parce que t'as vraiment... Il est vraiment quoi. Des fois il y a des jeux où il pleut mais il fait beau en même temps. T'sais. Alors j'essaie d'avoir les graines de celle-là. En violette. Donc j'ai acheté de l'engrais graines rapides mais bon. Ça a jamais porté ses fruits pour le moment hein, ce truc, cet engrais. À part me prendre mon pognon. C'était pas trop. C'est pas trop ça. Tu sais, je vais mettre l'arroseur. Là il y a un arroseur déjà. On va en mettre un ici. Alors c'est pas totalement joli ce truc là mais. Ça fait son boulot. Bon là il pleut donc ça sert à rien. Et ouais donc j'essaie de faire la quête pour rentrer là-dedans. Vous voyez il y a plein de pots et tout. Je sais pas ce qu'on va pouvoir y mettre. Les graines c'est toi qui décides. Elle va mal. Dans Blue Exorcist, ah, je l'ai pas vu. Je sais pas du tout. Ah merci pour le ninja soutien Speed, puis bonne nuit à toi, et encore merci d'avoir pensé à moi, surtout dans cette journée de maladie, et à toi. Je vais aller vendre ça parce que j'en ai vraiment trop, faut qu'on aille en vendre là. Ça se vend pas très cher mais... J'en ai trop. Enfin, je sais, je pourrais les utiliser, mais en fait, je trouve que ça pousse assez vite. J'ai pas vraiment de besoin plus. On en vend un petit peu de temps en temps, ça devrait. Ah, tout d'affilée, je vais faire trop d'allers-retours, ça va être chiant. Du coup, on a quoi comme mission? Toujours les tulipes roses, tulipes noires, iris noires. Les ouais, c'est bon. Alors, est-ce que ça a repoussé? Ouais. Et tulipes roses. C'est dommage, j'arrive pas à avoir d'autres graines pour mes petites tulipes roses. Bon, ça va venir. Est-ce que j'avais des parpaings? Des parpaings. On va faire tic 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 tic. Ça va être sympa. Je me tâte. Au pire, je refais un tour.
On va aller acheter des petites pierres. Qu'est-ce que vous en pensez? Pierre, présent. Présent, pierre. J'espère que ça rentre bien le petit chemin de pierre. Je suis pas sûre, hein, mais c'est un peu un risque parce que ça coûte assez cher. 100 balles la pierre. Ça fait mal aux fesses. Oh, come on in, don't be shy. Lovely to see you. La mamie, elle est riche depuis qu'on est arrivé en ville. Elle est riche. Alors. Comment on va faire? Pas évident hein, de faire un truc joli. Ça part pas toujours dans le sens que je veux. Alors, la concentration extrême pour poser les cailloux, vous connaissez. C'est un bordel. Pas vous mes cailloux, ils sont pas beaux mes cailloux. C'est les plus beaux cailloux du monde. Voilà, j'ai plus de cailloux, c'est la fin des haricots. Mignon, pouf. On est pas mal. Alors, un petit coup de ramassage de graines. On croise les doigts. Croisez tous vos doigts contre une nouvelle graine. Pour le moment, c'est pas ça. Après, il n'y en a pas beaucoup. Mais ouais, hein, ça porte pas vraiment ses fruits, hein, notre pot de graines rapide. Enfin, ça fait vraiment des graines rapides, hein, on est d'accord. Mais... Oh, Lila sauvage. On a Lila sauvage. Lila sauvage. Enfin une nouvelle. Alors, Lila sauvage. Quoi du lit là déjà? Ah, c'est celui-là. Ok, il est un peu bleu. Hein. Je pense qu'on va le mettre avec le noir et le blanc. Est-ce qu'on a des graines à vendre? Le petit chocobo là. Redemotion, enfin rentrer. Ah. Jamais retourner à l'hôpital là-bas, personne n'a envie d'y aller. Hein. En général. À moins que ce soit pour une naissance et encore. T'as pas forcément envie non plus. En général. C'est pas foufou. Voilà, on va le mettre ici. On va mettre un peu de couleur.
Parfait. Parfaitement parfait. Allez. On va faire passer une journée de plus. On va voir l'hiver. Ça serait pas mal d'avoir l'hiver. Des curly. Oh, c'est trop bon ça. Coucou chérie Miku. C'est bon ça. Fait tourner là. Non, il fait même pas tourner. C'est injuste. Moi j'en ai envie maintenant. J'irai pour des curly maintenant. en même temps, quand je suis malade, j'ai toujours envie. Déjà de base, je suis une ogresse. Mais quand je suis malade, te démonte le frigo en 2 secondes. Parce que ça réconforte tellement, ça fait tellement du bien quand t'as mal au ventre. Alors, il me faut déjà racheter ça. C'est vrai que quand je suis malade, je mange double. C'est con, mais je mange. Ouais, c'est ça. ça coûte moins cher. Quoique mon frigo, c'est pas le frigo de folie. Hein. C'est à mon avis, il manque pas grand chose pour qu'il crève. Il est prêt à me lâcher d'une minute à l'autre. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais c'est cool, j'ai une rose. Les roses là, on va pouvoir mettre une autre. Ah, je suis presque à fond à nouveau. J'avoue, ouais, ça doit être pour ça. Non mais un jour j'ai cru qu'il allait me lâcher, ça va, il a tenu le coup. C'est que des fois, il est plus très froid, alors tu te dis putain il va me lâcher là. Mais non, c'est juste, je sais pas, des fois il me fait un petit coup de grève. Ah, si j'arrive à déménager, mes parents m'ont dit qu'on achèterait un tout beau. Ouais, j'en avais un magnifique avant, et quand j'ai déménagé en fait c'était un peu compliqué au niveau des meubles. Et de la place ici. Et mon frigo, c'était impossible de le ramener, donc mes parents l'ont récupéré, ils m'ont passé le leur. Mais qui est pas terrible, quoi. Mais c'était pour dire j'en ai un. C'est mieux que pas de frigo. Il est tout petit comparé à celui que j'avais avant. Jour à la nuit. Et merci à Galva pour le follow, bienvenue à toi. Comment mon compagne, t'as une excuse pour tout manger. Fallait pas le dire. Et mais il est cassé, c'est pour ça que j'ai tout mangé. Pas ma faute. Mon homme, il va me dire, c'est ça ton excuse de merde. Oui, c'est ça mon excuse de merde. D'accord, j'ai pris une mauvaise fleur. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Il nous faut juste ces hortensias violettes. Alors s'il y a des mots bloqués, c'est parce que je veux pas aller voir
cartes Baku. C'est moi qui les ai bloquées, donc. C'est dans les règles, ne forcez pas. Je veux pas d'SMS sur la chaîne. C'est dans les règles aussi. Et c'est en plus c'est illisible ton message. Le message passe pas, c'est que ça respecte pas les règles de la chaîne. Il y en a un que je supporte pas. T'inquiète pas, je l'ai vu, c'est un des premiers mots que j'ai bloqué de SMS. C'est celui que je peux moins blairer, tu vois. Je l'ai vu direct. De toute façon, en général, quand votre message passe pas, c'est soit vous avez fait du franglais, soit... Enfin, SMS. 90% des cas, c'est ça. C'est soit un jeu que je puisse pas blairer. Hein. Alors avant de ça. En plein été, j'avoue que c'est chaud. Ah, de toute façon, même tout l'été, toute l'année, c'est chaud. Parce que si tu peux pas le remplacer, moi je pourrais pas le remplacer. Hein. Donc, ça serait la galère. Adieu les produits frais. Hein. Bon, j'en mange pas tant que ça de base, heureusement. Comme ça, ça me ferait pas trop de changements. Mais... Faut pouvoir en racheter. Hein. Mais c'est mort ça? Non, il me dit votre plante est heureuse. Okay. Elle a pas l'air heureuse. Hein. Burbu, comment on va? C'était quoi? Il me fallait tulipe rose. Oh, toujours la graine de... Ok, de l'autre. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Non, il en manque deux. Ah, il faut des tulipes blanches aussi. On va ranger ça. Tulipes blanches. Au cas où, j'en trouve pas, mais... Bah, c'est ça le truc, c'est le problème. C'est qu'en vrai, ouais, la plupart des gens, ils s'en rendent même plus compte. Ce qui prouve que... Quand tu commences après, c'est la misère. Puis le pire, c'est qu'après, tu sais même plus comment écrire les mots. C'est vrai. Hein. Pas de tulipe blanche ? Ça me paraît bizarre. Oh ! Une nouvelle. Cyclamène rose pâle, mais il ne faut pas pour la quête d'ailleurs ça. J'ai plus de place. C'est un enfer, on a plus de place. C'est l'horreur, j'ai plus de place. Alors si tu mets des fleurs partout, c'est... Ah, si tu peux pas. Il n'y a pas assez de place de base. Hein. Autorisé. Bah moi, malade aujourd'hui. J'ai burbure. Je m'excuse hein, si je suis pas... aussi bavard, non, d'habitude. Une ou autre. Un grand merci d'être là malgré ça. Ça me touche. Mmh.
Mais c'est vrai que ça fait longtemps. J'étais aussi mal. Hein. Mais ça va déjà un peu mieux là parce qu'il y a les médocs qui font un peu effet quand même. Comment ça fait effet? Celle-là, elle est vraiment mal. En vrai, je vais l'enlever toute. Comme les scouts toujours là. Ah. En vrai, ça fait pas très joli. Oh, ça va aller. Faut que ça passe, quoi. Elle est blanche, du coup. Et les autres, c'est quoi? Cyclamen rose et rose foncé. Tu rigoles, mais l'année où j'ai chopé le Covid l'été, là, que j'étais revenue, où j'ai été malade toutes mes vacances, c'est quand je suis revenue, premier stream qu'on avait fait, j'avais encore le Covid. On a été sur Elden Ring. J'ai tout défoncé. J'ai jamais aussi bien joué de toute ma vie à Elden Ring. Je mourais pas, je tuais des boss. C'était incroyable. Après, dès que ça a été mieux, j'y arrivais plus. J'ai jamais compris. Je suis meilleur à Elden Ring, malade. Voilà. Parce qu'en fait, t'es trop épuisé pour t'énerver. Du coup, t'arrives mieux à gérer. C'est incroyable. Il y a des jeux, faut y jouer malade. C'est ça la technique, c'est ça. Chope le Covid et après tu vas devenir un pro d'Elden Ring. Ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça. Bon après on n'a pas trop continué après Elden Ring. Pas que je voulais pas le finir mais disons qu'il était un peu trop long pour moi quoi. J'ai fait 100 heures de jeu, j'ai fait que la moitié du jeu, voilà. Mais c'était la première fois que je faisais un type soul en solo. Donc j'étais contente quand même d'aller aussi loin. J'y penserai. Ouais mais après tu le refiles à tout le monde et tout. Enfin moi ça va parce que je vois pas grand monde mais... C'est compliqué quoi. Ça sera un truc que tu peux pas refiler, tu t'en fous mais... c'est compliqué. Cyclamen. C'est quoi du cyclamen? C'est des clématis. Ah bah c'est ça, des cyclamen roses. Il me faut des roses comme ça. Et des foncés. Je pense que c'est violet. Hein. Ah non, c'est des roses foncées, ok. Bon, violet c'est rose foncé, tout va bien. En soi, c'est un peu logique. Vous avez entendu? Il y a une biquette. Ou un mouton. C'est plutôt un mouton, je crois. Tu sais qu'il y a un mouton. Il y a un mouton dans le jeu. Tu sais qu'il a volé le mouton du marchand. Ouais, moi j'ai pris. Je suis trop lente. J'ai fait que la moitié en 100 heures. Même mon homme, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous sur le jeu? Bah, je me balade. En même temps, déjà je suis partie sur des zones difficiles. Genre j'ai chopé des sorts super haut niveau. Enfin qui coûtaient cher en... parce que je jouais feu. Qui coûtaient cher en mana parce que je suis allée au mauvais endroit mais les ennemis étaient trop forts pour moi. Mais moi je courais, je piquais les coffres et puis je me barrais en courant. Et je récupérais des trucs. Tu connais la technique Shaki? Tu passes, tu prends et tu te casses. Tu hurles parce qu'il y a des trucs qui veulent ta peau derrière. Et tu les branches. C'était ma technique. Bon après j'ai survenu en mode tranquille, j'ai tué tout le monde mais au début. J'ai fait la technique pour prends et casse-toi. Alors. Des bouquets de ça. Déjà, on va ranger les graines. Deuxième bouquet. Mais en fait, c'était peut-être le problème d'Elden Ring, c'est un peu trop monde ouvert pour moi. C'est pour
pour ça que j'ai préféré Lord of the Fallen et que j'ai réussi à le finir celui-là. Bon, on n'a pas fini la New Game Plus, mais c'est parce que je commençais à faire un peu une overdose au bout d'un moment. Puis il fallait absolument que je le fasse avec un guide pour faire les autres, tu sais, les autres fins et tout. Et... C'est vrai que c'est moins agréable de devoir toutes les deux secondes regarder tes papiers. Mais j'aime bien être un peu plus guidée, même si c'était quand même labyrinthe sur Lord. Non mais j'ai pas vu, j'ai récupéré un nouveau sécateur. Il est dans les mains. J'ai même pas capté. Alors les tulipes, gardez. Cyclamen, il nous faut garder. C'est chiant quand vous les vendre, vous voyez, il n'y a pas la couleur. Et pas savoir lequel est rose et lequel est rose foncé. Tulipe blanche, faut garder. Ça non. On a fini. Voilà. Du coup, j'ai le nouvel outil, moi j'ai pas vu. Coucou Nakiero. Mais qu'y va? C'est vrai, t'aimes pas du tout? Ah, moi j'ai surkiffé Lord of the Fallen. Après, te force pas, si t'accroches pas, t'accroches pas. Hein. Moi j'ai surkiffé, vraiment. J'ai adoré l'histoire, j'ai vraiment tout adoré. Il est joli ce petit sécateur. De toute façon, les types sous, on a tous notre préféré en général, parce que c'est l'histoire, les manières de faire les trucs. Dragon's Dogma, mais le premier? Ou le 2? Par contre, je veux rien savoir du 2. Je sais qu'on peut déjà créer son perso et tout, mais j'ai tout fait pour éviter, parce qu'on va le découvrir ensemble. Ah, le 1, mais c'est vieux aussi. C'est quelle année le 1? C'est pour ça que je refais pas le 1 avant de faire le 2, parce que c'est trop vieux. C'est trop vieux. Je me souviens que j'avais adoré à l'époque, je me souviens quasiment de rien, donc... Mais c'est pas grave. Mais il y a des jeux... À un moment donné, ils vieillissent, quoi. Alors, il nous fallait quoi d'autre? Regarde un peu. Faudrait un arroseur ici. Un arroseur là-bas. Ça sera plutôt pas mal au niveau des arroseurs. Bon, ça sera pas... Il faudra peut-être plus. Ah ouais, sur PS5, ça rame à fond. Alors, sur PC, il y avait des petites zones qui manquaient d'optimisation, mais je sais qu'ils travaillaient pas mal dessus. À tel point que des fois ils arrivaient à réparer une zone et du coup bah, il y avait une autre zone qui prenait, ça c'était le dommage. Mais bon, je sais qu'ils étaient à fond à bosser dessus, tu vois, ils essayaient à chaque fois. Il y avait souvent des mises à jour et tout. Mais après, je sais pas, c'est bizarre, c'est que sur PS5, j'ai remarqué qu'il y a des jeux qui ont du mal sur PS5, tu vois. Je pense qu'ils les mettent sur console pour faire plaisir et puis c'est la galère à optimiser. Sur la 4, ils galéraient pas autant, donc peut-être que la 5 elle est plus difficile à optimiser. Enfin, c'est peut-être plus difficile sur la 5 à optimiser les jeux. C'est pas impossible, c'est peut-être fait d'une autre manière. Enfin, tu sais, moi j'y connais pas grand chose là-dedans. Bah, moi doucement, doucement, un Akiro malade aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous, ça fait du bien. Puis c'est les jeux tout doux aujourd'hui. Et après on a une sponso, découverte. Et on continuera, si j'accroche bien normalement je devrais accrocher. Puis j'aurai une clé à vous faire gagner en plus. C'est vrai, plus de fluidité. Après des fois, ouais voilà, c'est le souci. Ouais, je l'ai fait sur PC, donc ouais, je peux pas dire sur PS. Et peut-être que sur PS, ils sont peut-être axés sur l'optimisation PC et du coup ils ont manqué de temps sur celle de PS. Mais des fois ils sortent sur toutes les trucs pour faire plaisir aux gens alors qu'ils ont pas assez de personnes, de moyens, tu vois, pour gérer le tout.
Je go pote. Ça veut dire quoi tu voulais dire quoi à la base? Je go prends une compote. Je... Ah bah c'est après Manakeru, en tout cas. C'est que tes potes te manquent, Anakiro, c'est pour ça. Tu penses à quelqu'un. Il y a fort longtemps, les dinosaures peuplés. Non, il n'y a pas de souci, Anakiro. Mais la Lies of P, ouais, moi j'ai pas fait celui-là. Mais avec ma phobie, j'aurais pas pu. Alors, j'aurais pas pu tout faire. Et j'ai vu un peu plusieurs fins, enfin plusieurs passages et tout. Du coup j'en ai discuté avec Alex qui l'a retourné. Je crois qu'il manque une seule fin. Mais il a pas mis tant de temps que ça, Alex. Alors après il est bon aussi sur ce genre de jeu. C'est un peu ses jeux phares quoi. Mais... Franchement, il a mis plus de temps sur Lords que sur Light. Je pense qu'il est un peu plus facile, un petit peu au moins. Bah ouais, c'est ça, je suis colorophobe, c'est ça mon souci. Sinon, je l'aurais peut-être fait un jour, hein. Mais ça en défi ou un truc comme ça, mais... C'est pour ne pas être bien à certains moments, surtout que bah... C'est pas des passages pas longs quoi, ça dépend si t'es bon. Donc tu vois genre Resident Evil 7, il y a un passage avec un clown, mais les chocobos m'ont dit ça dure pas longtemps, tu fermes les yeux, t'as depuis là. J'ai pu le passer, tu vois, mais si ça dure longtemps... C'est compliqué. C'est compliqué quoi. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas sur les boîtes des jeux, tu sais, ou sur les trucs, quelque chose qui te prévienne des phobies que tu peux avoir. Même si c'est une liste super longue de phobies, parce que forcément il existe plein de phobies. C'est quelqu'un qui avait la phobie des pigeons. Genre, il y a vraiment plein de phobies. Mais c'est vrai que ça serait cool une liste quand même. Comme ça, au moins, les gens, ils savent. Même déjà, rien que les basiques, l'arachnophobie, c'est, des fois, c'est signalé dans le menu du jeu. Mais dans le menu du jeu, tu vois, tu peux désactiver. Mais des fois, tu peux pas désactiver, c'est pas signalé. D'ailleurs, on a testé dans la Tingle, il est très bien le mode arachnophobie. Si jamais... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la phobie des... Elles étaient pas belles. J'ai voulu tester le mode, j'ai vu la différence, j'ai fait « Oh, c'est mieux en mode arachnophobie !» Du coup, on est resté en mode arachnophobie. J'ai trouvé que le monstre était plus sympathique. Ça a changé. On va prendre ça. En deux, ça. Bon, j'entends des poussins. Ça doit pas être des poussins. C'est rien. Ouais, et je rachète de quoi faire des graines de ça. Ouais, mais ils préviennent pas encore assez pour les phobies. Ça viendra peut-être avec le temps, mais... Même les phobies des aiguilles et tout. J'ai des chocobos qui l'ont et... Et c'est vrai que bah, souvent c'est trop tard en fait. Quand je vois qu'il y a une aiguille, bah, elle est déjà passée sur le stream. Donc que je me rappelle... Ah oui, il faut les cyclamènes. Tulipes roses, ça part pousser.
c'est parti, hein. Bon, c'est assez chronophage, hein, ce jeu. Mais c'est très, très doux. Très agréable. Ça fait un peu de douceur. Hein. Un peu de douceur, c'est pas mal. Et tu y penches 4500. Oh, lovely to see you again, dearie. Bientôt avoir peut-être l'hiver. Ce monde de brut, eh ouais. Enfin, c'est bien aussi d'avoir des jeux des fouloirs. Hier, on a testé Hellbreach en early. Et c'était vraiment bien des fouloirs. Hein. C'est des vagues. Enfin, c'est des démons. T'as plusieurs modes de jeu. Alors, j'espère juste qu'il y aura un mode histoire à 4 par la suite. Ça peut jouer jusqu'à 4. Mais en gros, il y a une bonne inspiration, on va dire, dans Left 4 Dead. Sauf que voilà, c'est pas des zombies, c'est des démons. Mais avec un système un peu différent, parce que t'es à Las Vegas et il y a des machines à sous à chaque fois sur les cartes. Et quand tu tues des démons, tu gagnes des sous. Et avec ces sous, bah, tu peux améliorer ou acheter des armes sur la carte. Ou bien d'autres choses, et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, il est en early, mais pour une early déjà. De toute façon, je vous envoie. Elle va bientôt être sur YouTube. Elle est déjà sur Twitch, ma rediff. Enfin, j'espère que j'aurai des clés à vous faire gagner pour dimanche pour qu'on joue ensemble. Sinon, bah tant pis, on ira sur Persona plus longtemps. J'ai beaucoup aimé, mais en solo, c'est vite. Il y a eu des passages où il y a des gens qu'on rejoint. Je connaissais pas et c'était. C'était vraiment cool, même si sans les connaître, sans avoir le vocal. C'était assez cool. Alors. So long. On a fait un succès ce matin, mais là on a quoi? Ah, et ça j'arrive pas à faire. Normalement ça se fait avant. Oh. Quand même, allez voir. Avant ça. C'est là-dedans et j'ai pas. Mamie m'a dit que ça se faisait avec l'histoire, mais c'est bizarre parce que dans les succès, c'est bien avant la serre et moi je suis à la serre. Je comprends pas trop. Pas comment le faire. C'est con parce que j'ai un défi de le faire et ah je comprends. Oh, moi je l'ai tout. Je comprends pas. Il faut acheter un autre truc, hein. GG, toi, t'as fait hein, une statue dans un pavillon. Ça te parle ou pas? Parce que ouais, je suis un peu embêtée pour faire.
peu embêté. On craque quelques-unes et on sera bon. Ah, c'est pas mal. Hey, coucou Amelia. Pas doucement aujourd'hui. Petite santé. Et toi, comment ça va? Ah ouais, ce jeu, il est super relaxant. C'est pour ça que... Je me suis dit, en étant malade, je pense que c'est bon. Hein. De toute façon, aujourd'hui, c'est que des jeux. C'est la journée, je tout doux. Je me dis, normalement, ça devrait le faire, quoi. Waouh! Ah ouais! C'est beau! En bleu, il est magnifique! Ah ouais! Il y a des belles... Il y a des plantes... Il n'y a pas beaucoup de plantes bleues, mais alors elles sont magnifiques en général. Pareil, doucement aussi. Ah bah là, aujourd'hui, ça va être la douceur. Si vous avez besoin de douceur, ça va être doux. Après, on découvre un jeu qui se dit... Jeu de l'amour, de la nature, de la douceur. Comme ça qu'il est vendu. Donc. Après, on va aller encore sur un jeu. Et on finira sur Sticky Business que vous connaissez déjà, qu'on a déjà fait sur la chaîne, mais on va voir le DLC. C'est pareil. On a une boutique d'autocollants, on gère une boutique d'autocollants. Ouais, je vois pas ce que ça pourrait être. Est-ce que c'est encore ouvert un magasin? Je vais quand même aller voir, mais ça me chagrine cette histoire de... Est-ce qu'il faut que j'achète un autre pavillon? Des kiosques. Ah, je vois pas de truc particulier. Hein. C'est tout ce qui est libre, marqué libre, c'est le DLC. Ah, c'est un des deux DLC. Était offert au début. Je sais pas s'il est encore offert. So long. See you next time, ouais, c'est un DLC à 2-3 euros. Hein. C'est pas un DLC excessivement cher. Et quand même changer le truc, j'ai pas fait. On vise les succès en même temps. Alors, Mickey, t'en es où? Ouais,
Toujours à faire les prose, le cyclamen. Tu l'as aussi Amélia celui-là? Alors tu les prose. Blanche. Là. Vas-y, allez. Là, on est un peu bloqué sur la quête principale parce que j'arrive pas à avoir une couleur. Mais... Ah, sur Switch, il y a RAM. C'est vrai que Switch, je prends que les exclus. C'est souvent la problématique. Et c'est bizarre parce qu'il est pas si gros que ça quand même celui-là. J'aurais pas cru que sur Switch il aurait. Quand je vois des Witcher et tout sur Switch, là je me dis oui, il y a beaucoup de chances que ça soit pas le feu. Mais celui-là, j'aurais pas dit. Bah, c'est vrai que moi je l'ai acheté pour les exclus. Hein. Donc les non exclus que j'ai sur Switch en général, c'est les éditeurs qui me les envoient quoi. Mais sinon. Dégager ça déjà. Un peu trop d'engrais. Ah ouais, c'est. C'est tout le temps, c'est pas que quand il pleut, parce que des fois c'est quand il y a un truc dans le jeu. Ah, c'est vrai que la Switch elle est moins chère, mais elle a moins sous le capot aussi. Quoi. Faut y penser. Elle a ses limites. C'est pratique, tu peux passer en mode télé ou portatif. Mais... J'aime beaucoup la Switch, mais ouais, là c'est 31. Je me fais pas mal de sous avec les graines, hein. En vrai. Par contre, surtout celle que je fais facilement en nombre. Si jamais j'en ai besoin après pour une quête, c'est de. Rose pâle, lierre jaune pâle. Alors le lierre jaune pâle, c'est lui. Lierre crème, donc c'est pas ça. Jaune pâle. Peut-être lui. J'ai trouvé toutes les fleurs pour avoir celui que j'adore. Ouais, c'est lui. Bon, j'ai tout cassé. Surtout que je galère à le faire pousser le lierre à chaque fois. Quoi. On peut retourner sur le jaune. C'était quoi? Cyclamen rose pâle. Donc on a. Ah oui, on l'avait planté récemment le rose pâle. Je l'avais mis où? Là. Seulement à pousser. Alors c'est des fois vous avez une plante, vous voyez, elle veut pas pousser, non, c'est, ça pousse pas. Vous la coupez entièrement, elle va repousser. Des fois ça arrive, ça bug au niveau de la pousse. C'est rare, mais ça peut arriver. Juste le savoir quoi. Bon, moi je ne pas, c'est bon. Pas parfait. T'as pas fait vu que je pense pas que tu sois allé jusque là, mais t'as pas fait faire une statue de pavillon, ça te parle pas, Amélia? J'ai ce défi là, mais
Dans les succès, il est avant de débloquer la serre et je vais bientôt débloquer la serre, donc ça m'inquiète. Kudalayan, Cuckoo Fighters et GG Chou, un niveau de plus. C'est mon petit. Mes petites choses à faire en premier. Mind the clutter, come on in. Boum boum boum. Ah, c'était là. Prendre ça. Et on va prendre 5 pierres. You take care now. Venir notre petite zone, notre première zone, elle sera totalement finie normalement. J'aurais plus trop vraiment y retoucher, à moins qu'il y ait des plantes, des nouvelles plantes. Mais il y a vraiment des moutons hein, dans le coin. Je sais pas qui ils sont, mais c'est quelque chose. Pom pom. Bon. Lui, il est vraiment beau. Ah ouais, mais il y avait le lilas. C'est vrai qu'il est aussi grand. Bon, je le mette ailleurs. Il est vraiment beau, mais ça va pas. Il est trop grand pour être mis là. Compliqué, hein. Il y a le jardin, mais... C'est compliqué. Vous avez vu, j'ai un jardin volant. Avec les plantes, il s'est envolé. C'est compliqué. J'ai oublié d'acheter du truc pour que ça pousse ça. Alors on va... Ça me paraît pas mal hein, mon petit jardin. Pour une fois, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire aujourd'hui. Il y a des jours où vous devez faire plein de trucs dans le jardin, il y a des jours où... Au jardin, il est nickel. Et là, c'est agréable. Profiter à fond du jardin. T'as récupéré les fleurs dont j'ai besoin. Et avoir les graines. Beauté. Et ouais, faut que j'aille acheter le pouce de graine. J'en ai pas eu une seule nouvelle de... Déjà, il faut la violette, mais en plus, j'arrive même pas à avoir la n'importe laquelle, quoi. Comment ça, New Pom Pom? Pas autant. Est-ce que je peux faire un bouquet de
Flipper rose. Ouais. Ah, c'est bien ça. 3 sur 10. Si Clamen rose et rose foncé, il faut un bouquet. Ah bah parfait. Tulipe blanche et c'est quand même bleu. Rose pâle, c'est aussi des bouquets. Tulipe blanche, elles étaient où déjà? Elles étaient alors, elle est là. Ce jardin, j'adore. Ah, je kiffe mon jardin. Et là, quand il y aura le chemin, ça va faire une délimitation. Ça va être encore plus joli. Ça va habiller un peu le jardin. Ça va être cool. Je les ai mis où? Ah, attends, il y en a une là. C'est une mauvaise. Ça, c'est fait. Faudra acheter le grain rapide. Donc j'achète Letha, say hi to our guest. Cheerio. Ah là là, croiser les doigts qu'on arrive à avoir ça. Il me faut des... On s'appelle déjà... Oh, c'est les hortensias, non? Les hortensias violettes. J'ai que des blanches. Il existe plusieurs couleurs, mais jamais que des blanches. Là, j'ai encore eu des blanches. C'est fou, ça. Ça fait 6 heures de jeu passé. On a que des blanches. Mais vraiment. Ça fait 4 heures la dernière fois. Voilà, ça fait presque 3 heures. Donc il y avait encore eu avant. Ça fait 8 heures de jeu qu'on essaie d'avoir les violettes. Non, sérieux. Même, on n'a même pas eu une seule autre couleur. Oh mon dieu, quoi. Ah, nouvelle plante, hippomée blanche. Bon, ça y va les hippomées aujourd'hui, hein. On a eu les bleus, enfin les sauvages. Hippomée. Hippomée, ça ressemble à ça. Paumée blanche. Alors, et paumée blanche. On va te mettre ici. Alors, les paumées, ça monte. Super joli. On va te faire là. Ça va monter, ça va être pas mal. On va attendre. Admirons notre petit jardin. C'est vrai qu'il faudrait que je mette un banc ailleurs aussi. J'avais dit aussi qu'il faudrait que je fasse un banc. Je m'étais dit peut-être le mettre ici. Comme ça, d'ici, on voit tout comme ça, vous voyez. Ça pourrait être pas mal, un banc ici. Mais je voulais pas faire ça. Je vais faire ça. Ça pourrait être sympathique. Alors, il nous faut des roses claires. Tulipe rose. Et je crois que c'est tout, non?
Ouais, je prends des... quand j'aurai fini, je prendrai des captures d'écran, je les mettrai sur le Discord. Je sais pas s'il y en a d'autres qui... N'hésitez pas, hein. Après le stream, si vous avez envie de partager votre jardin dans un autre jeu. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on va... Ça a pas poussé. Qu'est-ce qu'on va vendre le long des graines? Pas trop si j'en ai beaucoup, non? Pas grand chose à vendre. Étonnamment. C'est vrai que j'ai moins mal au crâne, serveur. On est connecté, et t'imagines? Chacun son tour, putain, l'enfer. Moi j'ai encore un mal, hein, et puis ça va revenir. T'inquiète pas, bientôt tu seras tranquille, ça va revenir. Ah, c'est l'enfer, ça veut pas partir. Hein. Quand t'as des migraines comme ça, tu peux te les garder un mois. Hein. C'est un truc de fou. La dernière migraine, elle est jamais partie. Hein. J'avais des légers mal de tête tous les jours, hein, tous les matins, là, en ce moment. Hein. Des fois, quand je coupe le stream, je vais me coucher, limite. Des fois, il y a des jours où, quand la migraine, elle est trop... Y'a rien à faire. Hein. T'as beau te reposer. Hein. J'ai d'arquer tout, niveau 109. Oh, don't mind Letha. She's in no mood today. Après le banc que je veux, faut le fabriquer. Il faut acheter des pierres, je crois, et tout. Ça devrait être bientôt l'hiver, j'espère. Come again. Orly, comment ça va? Bien dormi. On a seul rouge foncé. Donc ça, c'est ceux qui sont avec les... ici, avec les... Les épouvantails. Et j'en ai un aussi qui est là-bas tout seul. En vrai, il faudrait que je leur rebouche de place. Je mettais. Ça sera moins bizarre. Faut que j'allume. Bah, il pleut. Pas besoin d'allumer. Moi, doucement. On joue de la douceur. Ce jeu tout petit pou, tout doux. Je suis commencé dans Disney Plus hier le livre de Boba Fett. Bah c'est plutôt pas mal les deux premiers épisodes, je crois que j'ai rien dit. C'est vraiment pas mal.
Je savais pas qu'il y avait autant de séries qui étaient sorties dans l'univers Star Wars. Au début, je voulais regarder juste le Mandalorian, j'avais pas vu la dernière saison, donc je me suis refait les trois. Et après, du coup, j'étais sur ma lancée, j'ai refait les films parce que j'ai vu qu'il y avait les deux derniers que j'avais jamais vus. Et puis après, je me suis rendu compte, il y a une série sur Obi-Wan Kenobi, il y a une série sur. Il y a Andor que j'avais vu. Déteste Star Wars, mais tous. Il faut faire attention parce que t'as. Les séries et les films sont quand même un peu différents. Je préfère, genre, je préfère largement Mandalorian à Star Wars, tu vois, au film ça. Tous. C'est assez différent. Après, je suis pas trop fan du dessin animé, par contre. Et Rogue One aussi, faut que je revoie, j'avais adoré Rogue One. J'étais étonnée dans les derniers films Star Wars de revoir des acteurs de Lost et compagnie, ça m'a fait bizarre. J'ai dit wow. Et ça faisait bizarre en fait. J'avais. En plus, c'était bizarre parce que t'avais vraiment l'impression qu'ils avaient été mis là parce que. Il fallait du gens connus quoi. Hortensia Verpal, c'était nouveau. On avait dit que le verre on mettait ici à la base. Derrière pour faire un effet un peu, vous savez, derrière un peu foré. Mais ça veut pas monter, ça peut monter plus haut ça, mais ça veut pas. Dommage, dommage. Qu'est-ce qu'il me fallait? Il me fallait ça. C'est une prose. Ok, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Une tulipe blanche. Il n'y avait pas des tulipes blanches s'il y en avait une. Hein, il y a pas mal de plantes qui sont chopées des insectes. C'est par période. Wally boy. Boulot boulot ou pas aujourd'hui? Après, bon, t'as la matinée tranquille. Alors, tu t'aimes bien Winter ou pas? Après, c'est gnarly, hein, y a pas encore tout. Et le système là de cerveau, on va dire, je sais pas comment dire, il est dur, hein. Je trouve que le tuto est un peu à revoir pour. Il était un peu trop balancé d'un coup. Sachant que j'avais mis en facile pour découvrir, tu vois. Tu gênes la pousse de cette plante. Ouais, encore un. Allez. Coucou Yann, Spawn Ninja.
Après tu le refais un peu dans le jeu. C'est vrai que c'est un peu bizarrement fait le début. Mais bon, comme c'est une early, je me dis qu'on va peut-être revoir ça pareil. Ouais, c'est ça. Bah après, comme c'est une early, je pense qu'ils ont mis au début en attendant de le refaire. C'est des fois, ils mettent en mode vrac. Juste pour dire que tu l'es, tu vois. Et, c'est le souci des early. Ouais, vraiment le début. Pour dire, j'avais fait l'early de Wakfu, moi. Il y a très longtemps. T'avais que les cases, il y avait quasiment pas, t'avais pas d'arbre, t'avais rien, t'avais que des cases. Je croyais un joueur, je croisais un joueur une fois tous les 10 ans et il s'arrêtait pas. Moi je me demandais si c'était pas un développeur qui était en train de tester les trucs. Complètement perdu. En fait ça dépend où, le niveau de, où on est l'early quoi. Genre la problématique. Alors. Un peu rond déjà. Tournesol rouge foncé, tulipe blanche. Moi, je pense qu'il faut suivre son actualité petit à petit, tu vois. Le système de séquelles psychologiques, je trouve ça plutôt intéressant. Enfin, ça change. Démo aussi, je crois, de Wind. Ils ont quand même une démo malgré que ce soit une arme. Je trouve ça un peu étonnant, mais bon. C'est un vrai bordel. Ça, il me les faut, je crois. Non, on a fini les cyclamènes. On a fini cyclamènes et. Ouais. Alors, j'ai une quête où il faut planter des rosiers noirs. Il faut en planter 30. Le problème, c'est que j'ai plus de place. Alors, c'est chiant, c'est que je peux pas annuler la quête. C'est un peu dommage. On peut pas, il y a des quêtes, les enlever, vous pouvez pas. Et vous êtes obligé de les faire, les quêtes secondaires, même si vous les aimez pas. Que tant que vous avez pas fait un certain nombre, enfin, vous voyez qu'il y a un certain nombre de quêtes max. Est-ce que j'ai fait, non.
Voilà. Donc c'est le problème. Les défauts du jeu. Ça c'est bon? Ça a l'air pas mal, hein? Alors il faut tulipe blanche, tournesol rouge. Ça c'est fini. Tulipe rose. Après tulipe rose, ça va, je suis pas très. J'ai le temps parce qu'il faut que l'on trouve les hortensias violettes. Mais alors, est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui, les hortensias violettes? Je vous dis, hein, ça fait au moins. Ouais, ça doit faire dans les 7 heures de jeu que j'essaie de les avoir. Hein. J'ai même pas eu une seule autre couleur parce que. Alors, je vous montre un peu pour ceux qui n'ont pas vu le cahier de. Le cahier de jardinage. Vous voyez les amaryllis par exemple? J'ai jamais eu d'autres couleurs. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que. Je replanterai pas des amaryllis. J'en ai tout. Ouais. Ok. J'arrive pas à en avoir. Clématite, c'est pareil, c'est pas fou. Cyclamen, il manque que deux couleurs. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Bien sûr, il y a un succès de finir tout le bouquin. Pour nous, il n'y en a qu'une seule, ça va venir. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Il y en a certaines où ça va. Hortensia, bah, petit à petit. Paumé, bon, on a fini aujourd'hui. Après, il y a des saisons, donc je me dis que ça pousse peut-être plus vite dans certaines saisons. Où ça fait plus facilement des nouvelles graines dans certaines saisons. Vous pouvez les planter, les récupérer tout le temps, au cours de l'année, mais je me demande si ça impacte pas ça. Quoique, les coquelicots, les a fait bien avant. Saison. Pivoine, j'en ai qu'une parce que j'aime pas trop ça, les pivoines. Et là, bah, on a fait la deuxième aujourd'hui. Tulipe. Ah non, il m'en manque encore une de tulipe. Donc, ouais, c'est. On va remettre des amaryllis. Comme ça, plus d'espace pour les plantes. Chier. Je viens d'en prendre une, elle prenait pas beaucoup de place. C'est vraiment compliqué, hein. Ah, j'ai plus de place, quoi. Aïe, 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 aïe. Le problème, c'est quand t'aimes tout ce que t'as mis. Compliqué. C'est assez compliqué. Coucou Razou, coucou Lily Drumba. On va faire comme on peut. Voilà. On fait comme on peut. Je vais encore devoir retirer un peu de coquelicots. Ça m'embête parce que j'adore mes coquelicots, mais. Ceux que j'ai le plus, quoi. Alors, allons au jardin. Ça faut garder, ça faut. Ah, mais c'est quand là? Oh, hello, dearie. See you next time, dearie. La prochaine saison. Hortensia vert pâle. Possédé. Vous voyez, ça c'est possédé. J'ai plus de place. Et le pire, c'est que cette quête, elle va jamais partir. Maintenant que je l'ai.
Donc je la fais pas geler quoi. Elle est blanche. Et c'est vraiment ça qui casse les couilles parce qu'il faut pas en planter une, faut en planter 25. J'ai à peine la place pour 3 plantes. Et ça c'est vraiment le défaut du jeu. Toi t'as fait un jardin de la magnificence et ils te disent bah dégage tout pour mettre mes plantes s'il te plaît. T'as des cachets et tout. Genre en fait elle veut que j'en plante ça, j'en plante 25. Oui tout va bien. Par contre ça je vais les mettre ailleurs. Je vais laisser vert, je vais mettre le bleu ailleurs. Et ça je vais les replanter autrement. C'est vraiment le problème de cette quête. Sinon l'idée est pas mal hein. Mais genre c'est pas planter une ou deux tu vois. Ça a tête de te reposer quand t'as une migraine. Moi je sais que ça change rien. Je sais qu'il y en a, ils se reposent dans le noir, mais moi ça fait rien. Je mets du froid sur mon front, des trucs comme ça, mais rester dans le noir à cogiter, ça me... Ouais, si tu dors. Bah moi en fait quand je me réveille j'ai encore plus mal au crâne. Alors sur le coup ouais je dors, je suis bien mais... Au réveil c'est pire. Si je m'endors avec un mal de crâne, je me réveille avec un double mal de crâne. C'est la problématique. Bon comme ça dépend des gens. De ça mais je doute que ça fonctionne pas souvent que j'ai des nouveautés hein. En plante que j'ai blanche, tournesol. C'est quand la neige? C'est pas tout de suite, hein. J'ai pas l'impression qu'on est bientôt en hiver. Alors... Il nous fallait des... Blanche.
C'est un vrai bordel ici. Mais j'en avais une autre. Peut-être pas. Tulipeur rose, tout le sol rouge, c'est tout. Faudrait voir quand même dans les trucs à fabriquer si on peut. Chose de particulier. Il y avait les temps de base aussi que je voulais faire. Mais faut des cailloux normaux et des pierres normales. Faut acheter ça en fait. Faut acheter ça. Comme j'achète déjà les galets, parce que j'ai encore des galets à mettre jusqu'ici. Ensuite, je voudrais faire un truc là. J'hésite même à faire. Je sais pas si je mets des rochers ou pas. Peut-être pas. Hein. Vous avez vu, j'ai mis une petite chaise tube. Le temps passe. Et on va récolter les graines. Ah! Pour le sol rouge. Vous en pensez, mon petit jardin, il commence à avoir de la gueule quand même. Ah. Je sais pas si vous avez un coin que vous préférez. Même si c'est pas des violettes, donne-moi une belle couleur au moins. Le jeu soit cool, donne-moi une nouvelle couleur, des hortensias. Quoi sympa. Cette quête, je suis vraiment emmerdée. Je suis vraiment emmerdée. Coucou Shenshi. Faire une petite pause boisson. To our guest. You take care now. Est-ce que fini? Je sais pas si ça compte par contre le fait que je rechange. C'était quoi le succès que j'essayais de faire? Analysez votre jardin 30 fois. En espérant que ce soit ça. Moi, je sais pas compter mais.
me paraît bizarre. Hein. Pas sûr que ce soit bien ça. À part ça, personnaliser votre jardin, je vois vraiment pas ce que ça peut être. Oui, la quête, elle reste. On est bloqué avec cette quête. Alors, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts. Alors. Ah, plus tard, Ezward. Une bonne matinée. Ouais, on va essayer de faire du bon jardinage. Déjà, c'est pas trop mal pour le moment. C'est pas trop mal. Toujours les tulipes blanches. Toujours pas de graines là-dessus. Plante sèche. Le rosage qui s'est arrêté pile sur celle-là. La pauvre. La pauvre, la pauvre. Ah, je commence à douter qu'on arrive à choper. On arrive à choper celle qu'on. Il nous fait douter là. Hein. Ici, il va falloir trouver un arroseur. Il va manquer un arroseur ici dans le coin. Waouh! Ici, ça va être blindé. Je le sens. Alors. Hop! Comment? Merci beaucoup pour les 38 mois de soutien. Surprise. Pas vraiment vu que c'est chaque mois. Merci beaucoup pour le soutien. Au boulot là ou pas? Ou tranquille. Ah, j'ai pas arrosé. Ah putain, je veux pas. Ah, donne-moi ça. Ouais, faut vraiment que je trouve que je prenne un arroseur. Ah, il est difficile. Ah purée. Bah d'ailleurs un truc qui le gêne, sa litière. Aluna bébé, c'était parce que elle galérait avec sa litière. Faut que tu vois, il la bloque. Il bloque.
avoir un truc. Peut-être qu'il arrive pas à monter dedans. What? Luna, c'était ça. J'ai dû lui mettre un bouquin pour qu'elle arrive à monter dedans. Lovely to see you again, dearie. Lovely to see you. Et j'avoue, le bon réveil. En plus, ça sent fort. Ça sent bien fort, tu sais, ça te réveille bien l'odeur. C'est la faute de Noctali. Bon bah ça passera avec l'âge alors. Il y en a un, il va être castré dans pas longtemps. Le pauvre. Oh putain, il est bien monté lui. Joli. Quand ça monte, c'est plutôt joli, hein, mais les autres, ils voulaient pas. Non, mais en vrai, y a pas le choix. Hein. Les pauvres, mais y a pas trop le choix. Que 4 tulipes blanches, pas beaucoup de rouge. Ah, courage Cerber. J'espère que t'arriveras pas assez à être tranquille aujourd'hui. Essaie quand même de t'occuper, c'est ça que tu connais ça et c'est chiant quand tu peux rien faire du tout. Se prendre 2-3 coups de patte et puis après ça va le calmer. En général c'est ça hein, quand il y a d'autres chats. Il y a eu le nouveau chat chez Alex. L'ancienne elle lui a fait la misère. Hein. Il s'en est pris des coups de patte. Hein. Bah ouais. Ouais, c'est ça, mais au bout d'un moment, c'est... Oui, il va se calmer, mais c'est... il va y retourner beaucoup avant. Ah bah, les chats, ils sont un peu cons là-dessus, c'est qu'ils disent « Ouais, cool, j'ai de l'attention !» Même si c'est un violent coup de patte. Et ils reviennent. Luna, des fois, elle fait des conneries exprès pour que je m'occupe d'elle. Hein. Même si elle se fait engueuler, elle est contente. Parce que je suis venue vers elle. Hortensia, des hortensias. Alléluia.
Oh, c'est pas la bonne couleur, mais on a enfin eu des hortensias. Au bout de 7 heures de jeu. Oh mon dieu. C'est pas la bonne couleur, mais on prend. Faut les retrouver maintenant. Des bleus. Ça, c'est les blancs. Alléluia. Alors, ce qu'on va faire. On va mettre les bleus à la place. J'ai pas 10 000 endroits où je peux les mettre. On va avoir un peu plus de bleus ici. Je pense qu'elle joue. Ouais, bah. Au bout d'un moment. Est-ce que je peux reprendre Je me tâte. Bientôt il va y avoir l'hiver, je pense. Je pense. On va faire une petite pause boisson et on va se faire encore un peu de garden avant d'aller sur Snuff King. Ça me paraît pas mal. J'aurais bien voulu avoir l'hiver aujourd'hui. J'aurais bien voulu. Ça vous va ou pas? Encore une petite heure de garden avant d'aller sur Snuffkin. Un truc au cas où. Hop, c'est... On sait jamais. La météo chat. C'était pas mal. Non, 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 non. Hop. Du coup, petite pause et encore une petite heure de jeu de fleurs et après on va découvrir un autre. Ce sera pas mal. Pourquoi mon PC est lent aujourd'hui? Y'avait pas un truc qui se téléchargerait? C'est peut-être ce jeu. On somme pas mal parce que si la Switch elle a du mal. Ça pourrait être ça. Tout simplement. Du coup j'arrive, je vous mets une petite bataille royale. J'arrive tout de suite et j'espère qu'on va découvrir l'hiver. À de suite.
Thank you.